Vendredi 27 janvier, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu sur le plateau de son émission C'est à vous, diffusée sur France 5, Guillaume Canet, Vincent Cassel et Jonathan Cohen, entre autres. Les comédiens principaux du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sortira au cinéma le 1er février, sont ainsi venus parler du tournage de celui-ci, avec beaucoup de fierté. Le réalisateur de 49 ans a notamment vanté les mérites de son actrice Léana Shea, qui a pris son rôle très à cœur en faisant elle-même ses cascades, avant de faire des confidences sur ses enfants. Vous savez, j'ai une petite fille de 5 ans, Louise, qu'il a eue avec Marion Cotillard, qui joue également dans son film, note de la rédaction, et en fait, quand j'écrivais, je leur lisais les scènes, à mes enfants, a développé Guillaume Canet, en se livrant également sur son fils, Marcel, âgé de 11 ans, qui a un rôle dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça m'intéressait un peu de voir leur retour et je me suis rendu compte, très rapidement, que ma fille avait aussi besoin de s'identifier, en tant que petite fille, au personnage féminin, a affirmé le réalisateur, le sourire aux lèvres. Et de voir une princesse qui fait du kung-fu, de voir Tatuan, jouée par la comédienne Léana Shea. C'est important aussi que les petites filles trouvent vraiment, un modèle, a-t-il indiqué. Supérieur à supérieur à Marion Cotillard et Guillaume Canet, retour en image sur leur histoire d'amour, une envie de partager son travail avec ses deux enfants lundi 23 janvier, lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé 7 jours, Guillaume Canet s'exprimait déjà sur ses deux enfants. Il révélait ainsi que ce qui l'a poussé à donner vie à une suite de la saga cinéma Astérix et Obélix, c'est son envie de réaliser un film qu'ils peuvent voir. Pour une fois, je suis heureux de partager ce que je fais avec eux, avait-il ajouté, avant de se livrer sur son fils, qui joue son premier rôle à l'écran. La transmission est faite, lançait-il avec enthousiasme. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 5.